Bonjour, alors aujourd'hui je reçois Delphine qui a bien voulu répondre à mes questions pour nous apporter un témoignage sur le forfait Aroma Hiver qu'elle vient de terminer. Alors bonjour Delphine, je vais te poser quelques questions donc et avant j'aimerais que tu te présentes s'il te plaît. Alors bonjour Isabelle, donc je suis Delphine Boileau-Terrien, experte auprès des femmes de challenge qui veulent vivre et de leur job qui leur colle à la peau sans jamais avoir à se vendre. Merci. Cette interview, enfin ce témoignage avec grand plaisir. Voilà, alors donc tu as commencé avant Noël, donc le forfait Aroma Hiver, et en fait je voulais savoir dans quelle situation tu étais avant de commencer cet accompagnement par rapport à ta connaissance des huiles essentielles. Alors ma connaissance était assez basique, donc j'avais Ravine Sarah et puis de l'huile d'amande douce parce que depuis qu'ils sont tout petits, en fait mes garçons. J'aime bien me dire que je les soigne au naturel, donc dès qu'ils avaient un peu de tout, je savais faire un massage, puis j'aimais bien le côté voilà, toucher mes bébés. Donc voilà, je n'avais pas beaucoup de plus de compétences en huiles essentielles, mais j'avais cette intention de soigner au naturel. Pour le coup, j'avais vraiment envie de faire ça. D'accord, et donc qu'est-ce que tu as particulièrement apprécié lors de cet accompagnement? Ben, en fait, je dirais la première chose, c'est que maintenant j'ai plus d'huiles essentielles et aussi j'ai des prescriptions donc pour chacun des maux d'hiver. C'est enfin, pour ça que j'aime bien ce côté saisonnier. Du coup, ben, voilà, dès qu'ils ont mal à la gorge, ou que toute la famille d'ailleurs a mal à la gorge, ou la toux sèche, toux grasse, enfin bref, du coup, je me sens en maîtrise maintenant de savoir quoi faire, comment faire, puis j'ai tout le matériel pour le faire. Donc ça a pour moi été la première chose que j'avais vraiment envie en prenant le forfait. Et puis côté ben voilà, soigner au naturel, j'aime bien cet aspect voilà, pas avoir de médicaments et puis pouvoir être vraiment pouvoir répondre très vite dès les premiers symptômes finalement, puis ça fait que ça ne dégénère pas, donc du coup ben, quand il y en a un qui me dit j'ai mal à la gorge ou même moi tout de suite. Ça je trouve ça chouette. Mm-hmm. Et puis il y avait aussi le côté comment ça, c'est pas comme un jeu, mais c'est vrai qu'après, c'est avec les enfants, dès qu'ils ont quelque chose, du coup, on met la petite potion magique. Donc, il y a un petit côté. Ludique. On n'est pas vraiment malade. D'accord. En fait, il y a un petit côté, on prend soin de soi un peu. D'accord. Ah, d'accord. Okay. Et qu'est-ce que tu retiens particulièrement alors de cet accompagnement, en fait? C'est un apprentissage en fait, parce que dans, voilà, comme tu expliques dans le portail, toutes les précautions d'usage, pas acheter n'importe quelle huile essentielle. C'est vrai que moi, je l'avais un peu compris avant, mais du coup, c'est ce qui me. Enfin, déjà, je ne savais pas quelles huiles essentielles, comment faire la prescription, mais aussi, comme je sais qu'il ne faut pas prendre n'importe lesquelles, puis étant aux États-Unis, ben voilà. J'en avais au supermarché, mais je ne savais pas si c'était les bonnes. Ouais. J'en avais eu acheté avant dans un magasin, mais c'est tout un mélange, donc aussi elles ne sont pas pures. Ouais. Donc, du coup, voilà, c'était un peu. D'accord. Et quel résultat as-tu obtenu à l'issue de cet accompagnement, en fait? Tu sens vraiment plus en confiance pour utiliser les huiles essentielles? Ben oui, parce qu'en fait, je dirais que c'est un peu comme une courbe d'apprentissage. Je suis passée de pas grand-chose à débutante. Du coup, maintenant, j'ai mon matériel, j'ai mes prescriptions et je suis autonome sur certains symptômes d'hiver. Donc, du coup, ben, voilà, je me sens plus en maîtrise. Puis en tant que maman, puis entrepreneur travaillant à la maison, ben, forcément, voilà, Là, ils sont plus grands, mais c'est vrai que des fois, quand ils sont malades, on dit, ben mince, on ne voudrait pas que ça dure plusieurs jours. Ben, voilà, c'est chouette de pouvoir me sentir avoir avancé dans mon niveau de maîtrise. De maîtrise. Donc, en fait, on peut dire que tu as vraiment fait des prises de conscience par rapport à l'aromathérapie et la façon naturelle de soigner tes enfants ou, Je ne sais pas si. Enfin, peut-être prise de conscience, mais surtout maîtrise. Maîtrise. Maintenant, je sais plus faire. Enfin, je sais faire. Avant, je ne savais pas faire. Ouais. Maintenant, je sais faire. Et donc, puis c'était très. De t'avoir, du coup. Enfin, voilà. Parce que c'est un peu la. Quand on rentre dans un univers en plus lié à la médecine, enfin, tu n'es pas médecin, ce n'est pas le but. Ouais. Mais du coup, voilà, on ne veut pas faire. On peut pas, on veut, on a, j'ai peur, je pourrais avoir eu peur,
de ne pas prendre les bonnes huiles ou pas le faire correctement. Et ce qui est bien avec toi, c'est que du coup, déjà tu es là pour dire, pour nous rassurer, puis en même temps nous dire, bah voilà, si c'est un enfant, bon, les miens n'ont pas d'allergie ou quoi, mais du coup de savoir les précautions, et puis comment, voilà, pas mettre une huile directement sur la peau, enfin voilà, tout ce qui est. Donc du coup c'est apaisant aussi et moins stressant, parce qu'on connaît finalement les précautions aussi d'utilisation. D'accord, donc en fait tu t'es sentie orientée, guidée, et puis tout en ayant en tête tout ce qui était précaution d'emploi et effets indésirables, donc pour éviter justement de pour avoir le maximum d'efficacité en fait des huiles essentielles. C'est exactement ce que je voulais, quoi, en prenant le forfait, c'était que tu sois là, puis que du coup tu es vraiment fait comme un step by step, tu vois, de là où j'en étais pour acquérir un niveau de connaissance ou de maîtrise, et d'avoir maintenant ma pharmacie finalement, donc pour l'hiver. Puis, bah, de toute façon, voilà, moi, je serais intéressée à faire pour toutes les autres saisons, parce que du coup, c'est, voilà, je me dis, c'est un premier niveau de connaissance, de maîtrise, de se soigner au naturel, et puis de posséder finalement cette connaissance pour soi et pour la famille, donc c'est chouette. Ok, très bien, merci beaucoup. Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose, du coup, par rapport à la méthodologie ou, moi je voudrais te dire merci, parce que je trouve que c'est, ça fait longtemps, et même depuis que j'ai des enfants plus particulièrement, je voulais soigner au naturel. On n'est pas une famille, on est très malade, pas rien de plus grave, c'est des petits symptômes, ça arrive. Moi, c'est ce que je recherchais en fait. Donc, toi, tu es pharmacienne, tu t'es formée aux huiles essentielles, tu adores ça, tu as vraiment cette approche famille. Donc, du coup, tous les membres de la famille, ça me donne la capacité de soigner tout le monde grâce à toi. Et du coup, j'ai eu une formation et en même temps, j'ai pu me mettre en œuvre. Donc, après, je me sens autonome finalement. L'hiver prochain, tu sauras quoi faire. D'accord, et très bien. Écoute, je te remercie pour ce témoignage. Et puis, à très bientôt alors, pour parler huile essentielle. Merci beaucoup, Isabelle.